C'est une erreur de penser que l'accès à l'avortement n'est pas menacé en France. D'abord, il est très compliqué selon les territoires, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est très difficile pour les femmes. Mais on a vu que dans beaucoup de démocraties européennes, c'est désormais parfois limité ou interdit. On l'a vu en Hongrie, en Pologne, on voit en Italie le projet, on a vu en Espagne il y a quelque temps, et évidemment, on a vu la décision aux États-Unis. C'est Simone de Beauvoir qui l'a dit il y a longtemps, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes régressent. Donc c'est une illusion de penser que ce droit n'est pas menacé. Il y a en France toujours des forces qui veulent combattre cette possibilité pour les femmes. On peut toujours convaincre parce que, on le voit, il y a une petite minorité de sénateurs, alors que le Sénat est à droite, qui sont opposés. Nous avons déjà eu ce débat il y a quelques mois et nous n'avons eu qu'une trentaine de sénateurs qui n'ont pas souhaité le voter. Et puis surtout, on voit que quand on interroge les Français, en réalité, ils sont massivement favorables à l'IVG, quelles que soient d'ailleurs leurs orientations politiques ou religieuses, et ils sont aussi massivement favorables à la constitutionnalisation, parce qu'ils ont bien compris que c'était un droit chèrement acquis et qui était menacé. On ne désespère jamais, parce que d'abord, quand on fait de la politique, on espère toujours convaincre, donc espérons que le Sénat ne sera pas trop rétrograde. Quand une modification de la Constitution intervient, il faut soit un projet de loi, soit une proposition de loi, votée dans les mêmes termes par les deux assemblées. Lorsque c'est un projet de loi, on doit ensuite réunir le Congrès de Versailles, pour voter cette fois avec une majorité spéciale. Et lorsque c'est une proposition de loi, il faut un référendum. Ce que nous voulons en réalité, c'est que le gouvernement se saisisse de ce sujet. Parce que cela fait maintenant des mois, voire des années que le sujet est sur la table, que l'Assemblée, c'est pour cela que nous reprenons ce texte aujourd'hui, a voté il y a quelques semaines la constitutionnalisation. Donc il y a un accord transpartisan. Donc ce qu'on veut, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités et dépose un projet de loi, ce qui permettra ensuite de réunir le Congrès, ce qui est évidemment beaucoup plus simple d'un point de vue technique parlementaire que l'organisation d'un référendum. Eh bien, je crois qu'il faut que les politiques ne soient pas en retard par rapport à la société. Les Français et les Françaises sont massivement favorables. Moi, ça me rappelle le débat sur la fin de vie. C'est comment se fait-il que des parlementaires ne voient pas que la société a évolué, qu'elle souhaite protéger des droits et que donc il faut que nous, parlementaires, nous soyons en phase avec les attentes. Les droits des femmes sont assez récents, dans ce domaine comme dans d'autres. Ils sont toujours fragiles et donc c'est pour cela qu'il faut toujours se battre pour les protéger.